Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, nous sommes encore aujourd'hui ensemble pour une nouvelle méditation. Aujourd'hui, nous allons parler de l'onction pour enseigner. Je vais vous lire un témoignage d'un excellent homme de Dieu qui a bien enseigné, je pense, pour moi. Je ne fus certes pas docteur de la parole de Dieu dès le début de mon ministère, mais j'éprouvais toujours le plus grand respect pour la parole de Dieu, que j'étudiais sans cesse avec un très grand sérieux. Je passais des heures et des heures à lire et à l'étudier, faisant un grand nombre de découvertes pour mon compte personnel au cours des premières années du ministère pastoral. Mais je ne les enseignais pas. Je n'avais reçu ni onction, ni directive pour l'enseignement. Je faisais cependant des réunions d'études bibliques, comme c'est la coutume dans la plupart des églises pentecôtistes. Il arrive que des membres de l'église du plein évangile et des communautés pentecôtistes critiquaient les autres dénominations, les accusaient de formalisme et de ritualisme. Mais les pentecôtistes sont eux aussi liés par des habitudes. Et ils sont prêts à se battre pour leurs habitudes. Tout ceci est négatif pour l'œuvre de Dieu. Et je dis Amen. Et regardez ce que cet homme de Dieu dit. Je fus baptisé dans le Saint-Esprit, je parlais en d'autres langues, en 1937. Et en 1939, comme je le répète avec humour, ma communion fraternelle avec des baptistes reçut une rouade de pied gauche. Et j'allais rejoindre des pentecôtistes qui nous demandèrent à mon épouse et moi, d'aller prendre la charge de pasteur dans une petite église pentecôtiste au nord du Texas. Les gens me dirent, la coutume veut que le pasteur tienne une classe d'études bibliques pour les hommes et que sa femme fasse des études bibliques pour les dames plus âgées. Eh bien, je viens changer la coutume. Il n'y avait pas encore très longtemps que je fréquentais les cercles pentecôtistes et j'étais persuadé qu'ils leur poussaient des ailes à tous. Je découvris par la suite que c'était leur omoplate qui se faisait visible. Pas la moindre trace d'elle en formation. Et je me rendis compte que si vous vous mêliez de modifier les coutumes, vous risquerez d'avoir des ennuis. Et je vais vous dire Amen. Je sais de quoi il est en train de parler. Il me fallut donc faire preuve de diplomatie et leur parler avec beaucoup de douceur. J'obtiens en fin de compte que ma femme n'est pas à tenir les classes d'études bibliques. Ils me dirent, bon, voici ce que nous allons faire. Nous allons réunir dans une même classe les hommes et les dames d'un certain âge. Et c'est vous qui les enseignerez. J'aurais préféré faire n'importe quoi d'autre, mais je m'acquittais de cette fonction d'enseignement. Je n'avais jamais été si heureux dans ma vie que lorsque l'étude du dimanche matin était terminée. Et je me disais en rangeant à sa place mon manuel d'enseignement, « Ouf, maintenant j'ai une semaine pour me reposer. » Je détestais à ce point l'enseignement que je n'ouvrais pas toute la semaine le manuel de classe de dimanche. Il m'arrivait parfois de ne pas l'ouvrir avant la dernière minute pour y jeter vite un coup d'œil, juste avant que la classe du dimanche du matin commence. Je réussissais néanmoins à me tirer d'embarras parce qu'après ma conversion, j'avais reçu une faculté unique, celle de pouvoir lire un texte une seule fois et de ne plus l'oublier. Talent que je ne possédais pas avant la nouvelle naissance. En effet, après cette expérience, alors que j'étais encore au lycée, j'étais capable de lire un chapitre de mon livre d'histoire une seule fois et de le réciter ensuite, mot pour mot au professeur. J'apprenais à marcher dans la vie de Dieu, car la vie avec Dieu accroît vos possibilités. Auparavant, en effet, j'étais incapable de garder en mémoire la moindre chose. Donc, je pouvais lire une seule fois la leçon dans le livre d'enseignement et expédier le tout. Puis, je m'écriais « C'est fini, je suis bien content ». Maintenant, je peux à nouveau me consacrer à la prédication. Et je prêchais comme un ouragan martelant mes paroles, comme un marteau pneumatique agitant les bras comme un moulin à vent. Je croyais vraiment qu'une telle agitation faisait partie de la prédication, faute de quoi elle n'aurait pas été digne de ce nom. J'étais prédicateur et j'aimais prêcher. J'aurais préféré prêcher plutôt que de manger. Et je prêchais 9 ans. Tout ce que j'avais, c'était un message d'évangélisation. Je ne prêchais jamais autre chose.
car je n'avais rien d'autre. Mais un jeudi, à 3 heures de l'après-midi, je me rappelle très bien, c'était en 1943, et j'avais commencé à prêcher depuis 1934. Après m'être reposé un peu, je traversais le salon du presbytère en direction de la cuisine pour aller boire un verre d'eau. Tandis que je traversais la salle de séjour en sens inverse, au beau milieu de la pièce, quelque chose tomba sur moi et vint en moi. Il y eut dans mon être intérieur le petit bruit que fait une pièce de monnaie en tombant dans une cabine téléphonique à pièces. Je m'arrêtai tout net. Je savais de quoi il s'agissait. C'était le don de l'enseignement. L'onction pour l'enseignement avait pénétré en moi et je m'écriais « Maintenant, je pourrais enseigner ». Lorsque je reçois un don de Dieu, je commence par le mettre à l'épreuve. Et j'aimerais vous encourager à agir de même. Éprouvez ce que vous avez reçu de Dieu. Ensuite, et ensuite seulement, vous pourrez en parler. Mais si ce don ne subit jamais la mise à l'épreuve, en parler ne servira à rien. Je n'ai jamais dit un mot de cette onction pour l'enseignement. Un petit groupe de prière composé de 7 ou 8 dames se réunissait à l'église tous les mercredis après-midi, de 2h à 4h de l'après-midi. Les gens leur transmettaient des requêtes de prière, et donc elles priaient pour ces sujets particuliers. Elles priaient également pour l'église et pour les réunions. Ma femme ne manquait jamais de se joindre à elle, ce que je faisais aussi d'ordinaire. Nous formions ce petit groupe à la prière et tous étaient véritablement combattants, experts dans la prière. Si vous ne vouliez pas que quelque chose se produise, il valait mieux ne pas leur donner de requête de prière, sinon elles vous l'obtenaient. Avant de nous mettre en prière, je leur suggérais une étude biblique d'une heure, mais je n'avais invité personne d'autre. Il ne s'agissait pas d'une réunion programmée. Je me mis à enseigner ces 7 ou 8 dames et l'onction descendit sur moi. Je n'aurais jamais pu imaginer qu'il soit possible à quelqu'un de rester tranquille au même endroit et d'enseigner simplement la parole, d'être puissamment oint pour cet enseignement. J'avais pensé qu'il fallait crier à tue-tête et cracher du feu, comme pour la prédication. Mais tandis que je me trouvais au milieu de ces quelques dames, je leur enseignais la parole. L'onction qui descendit sur moi était si forte que je ne pouvais plus la supporter. Je dus m'écrier « Seigneur, arrête !» Je ne peux plus la supporter. Vous parlez d'être béni, c'est comme recevoir une décharge électrique. L'onction et la parole comme un fleuve atteignirent ces femmes. Elles rentrèrent chez elles et racontèrent à leur mari et à d'autres ce qui s'était passé. Et nous continuons à ne pas annoncer publiquement l'étude biblique du mercredi après-midi. Pas d'invitation non plus. Mais les gens commencèrent à venir à la réunion du mercredi après-midi. Et ce, malgré les réunions régulières du mercredi soir. Les maris de ces épouses laissaient leur travail pour assister à ce rassemblement du mercredi après-midi. Et le bâtiment ne tarda pas à être plein. Et l'auditoire du mercredi après-midi se fit plus important que celui du mercredi soir. Preuve avait été donnée de mon don d'enseignement qui s'avérait authentique. J'avais commencé par la foi, j'avais persévéré et l'église était remplie l'après-midi. Ce qui corroborait le don, n'est-ce pas? Et mon ministère de pasteur comprit une part de plus en plus grande d'enseignement, jusqu'au moment où il comporta environ une moitié consacrée à la prédication et l'autre à l'enseignement. À l'heure présente, il est rare que je reçoive encore l'onction pour la prédication. Gloire à Dieu pour cette onction pour enseigner. Elle est un peu différente, mais c'est toujours et encore le même esprit qui vous accorde l'onction, quelle que soit la tâche à laquelle il vous destine. Nous avons vu que c'était l'onction pour enseigner et j'aimerais aussi parler de l'onction pour prêcher. Un autre témoignage qui est tout aussi formidable que celui qu'on a vu pour enseigner où il dit « Je me rappelle le choc qu'éprouva ma grand-mère lorsque je lui annonçais que je serais prédicateur. » Elle s'écria « Mais mon petit, tu ne peux pas prêcher, tu ne peux même pas parler. » Elle avait raison étant donné que mon cœur ne fonctionnait pas normalement et je risquais de mourir si je faisais trop d'efforts. J'avais dès mon plus jeune âge appris à rester tranquille et à ne pas parler. Une année avant que je sois cloué au lit, mon grand-père Drake avait dit un soir à table « J'ai rencontré aujourd'hui ton professeur, mademoiselle Bessie May Hamilton. Je lui ai demandé comment marchait ton travail en classe. Eh bien, m'a-t-elle répondu, il est tel qu'il a toujours été. Vous pouvez attendre indéfiniment qu'il dise un mot. Il ne dira jamais rien. » En réalité, il pourrait manquer la classe. Personne ne s'en apercevrait. En l'écoutant, j'ai eu une idée. Je décidai d'essayer de manquer la classe. J'avais seulement 2 cours l'après-midi,
celui de Mademoiselle Bessimée et une autre. Ainsi, deux ou trois fois par semaine, je faisais l'école buissonnière et j'allais au cinéma. Eh bien, jamais personne ne s'aperçut de mon absence. Bien sûr, après ma conversion, je cessais ce petit jeu. Et de retour au lycée, après ma guérison, je ne manquais pas un seul jour. Mais tout ceci pour vous montrer à quel point j'étais silencieux. Après ma conversion et ma guérison, je me mis à prêcher. Moi, un jeune garçon baptiste. Je savais que j'étais appelé à prêcher. Je savais que l'onction pour la prédication viendrait. Je n'avais pas d'onction particulière pour l'enseignement. Et je n'aimais pas enseigner. Je priais, j'étudiais, je préparais des plans, des sermons. Je les ai presque tous gardés d'ailleurs, dit-il. Pourtant, je ne m'en sers plus jamais. Mais il représentait toute la lumière qui était la mienne à cette époque. Dieu vous bénira si vous marchez dans toute la lumière que vous avez reçue. Ma première prédication dura 45 minutes. Quelques débutants commencèrent avec 10 ou 15 minutes de prédication. Mais moi, j'avais commencé par 45 minutes. Et je n'ai jamais cessé de prêcher depuis lors. Je prêchais pendant un certain nombre d'années. Et je prêchais. J'étais une machine à prédication. J'aimais cette onction. Lorsqu'elle descendait sur moi, je prêchais si fort et si vite que l'assemblée disait « Doucement, doucement, vous parlez si vite que nous ne pouvons retenir que la moitié de ce que vous dites. » À cette époque, je n'avais pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, mais j'avais le Saint-Esprit en moi et une onction descendait sur moi parce que j'avais été appelé à exercer ce ministère. Dans l'Ancien Testament, l'onction descendait sur des individus qui avaient été choisis pour cette fonction. La nuée de gloire se manifeste. Je pourrais vous raconter des expériences extraordinaires que je fis lorsque, jeune prédicateur baptiste, l'onction pour la prédication descendait sur moi. Un dimanche soir, j'étais en train de prêcher une sorte de message d'évangélisation en m'appuyant sur Jacques chapitre 4 verset 14, où l'apôtre pose cette question. « Car qu'est-ce que votre vie ? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un temps et qui ensuite disparaît. » Je prêchais depuis 15 minutes, oint par le Saint-Esprit, lorsque la puissance de Dieu descendit sur l'auditoire et emplit les lieux d'une sorte de nuée. Il m'était impossible de distinguer une seule personne. J'étais dans la nuée. Je pouvais entendre le son de ma voix, mais je ne connaissais pas un seul mot de ce que je disais. 17 minutes durant, je regardais ma montre. Je fus incapable de distinguer un seul mot. Enfin, je pus apercevoir les gens assis sur les trois premiers rangs. Puis l'onction disparut peu à peu. C'était comme si une nuée s'élevait au-dessus de tout l'auditoire. Je n'en dis pas un mot à personne et je terminais la réunion le plus normalement du monde. Quelques jours après, je demandais à un monsieur âgé, très spirituel, qui était présent ce soir-là. « Avez-vous remarqué quelque chose de différent dimanche soir pendant la réunion ?»« Eh bien, pourquoi » répondit-il. « Dites-moi si vous avez remarqué quelque chose et je vous dirai ensuite pourquoi. »« Eh bien, » reprit-il, « la seule chose que je peux vous dire, c'est que tout le monde en parlait dans l'assemblée. Il nous semblait voir votre visage briller. Vous ne paraissiez pas être vous-même. Votre visage ressemblait à celui d'un ange. » Alors je lui racontai ce qui s'était passé. Je lui appris que je ne connaissais pas un seul mot de ce que j'avais dit au cours des 17 dernières minutes de la réunion. Tellement l'onction qui reposait sur moi était forte. Tout cela était l'œuvre du Saint-Esprit. L'onction est la nuée de gloire. Et je voudrais vous dire aussi, mon frère, ma sœur, que l'onction peut grandir. Plus nous allons l'exercer, plus ça va grandir. Et regardez ce que ce même pasteur nous dit. Après le baptême du Saint-Esprit, j'entrais dans une dimension plus grande de la puissance de Dieu. Et cette onction pour la prédication ne fit que grandir. Le fondement de cette expérience est parfaitement scripturaire. Élisée avait désiré une double portion de l'onction qui reposait sur Élie. Élie avait été oint pour exercer le ministère de prophète et Élisée reçut une double portion de cette onction, une onction plus grande encore, pour pouvoir s'acquitter de la même responsabilité. D'ailleurs, on peut voir que Élisée, le fils spirituel du prophète Élie, a fait le double de miracles par rapport à son père spirituel. Et cet homme de Dieu dit, « Lorsque j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit et que je parle en langue, je n'en dis pas un mot à mon église. Je suivais cette onction qui nous enseigne toutes choses. Quelque chose en moi m'avertit, n'en dis rien à l'église. Et je gardais le silence à ce propos, tout en continuant à assurer les réunions dans notre petite église rurale. Il ne s'était pas écoulé 30 jours que des gens commencèrent à me demander, « Qu'est-ce qui vous est arrivé ?» Et alors je leur répondais, « Mais qu'est-ce que vous voulez dire par « qu'est-ce qui m'est arrivé ?»« Eh bien, vous êtes différent, » me répondirent-ils. « Qu'est-ce que vous entendez par là ?» leur répondis-je.
Je suis différent en bien ou en mal ? En bien, dirent-ils. Bon, mais que voulez-vous dire ? Oh, vous avez une puissance que vous n'aviez pas auparavant. Lorsque vous prêchez, vous manifestez une puissance qui n'était pas là autrefois. Avant cette expérience, j'avais reçu l'onction pour prêcher, mais à présent, cette onction avait grandi. Les gens me dirent, maintenant, lorsque vous prêchez, nous avons presque l'impression d'être soulevés de nos sièges. Ils ne voulaient pas dire que je prêchais avec dureté, ils faisaient allusion à la puissance qui se manifestait derrière la prédication. L'un des membres de l'église était presbytérien. Notre église était une église communautaire, la seule dans la commune, et 85% des membres étaient tous des baptistes. Ce monsieur presbytérien était riche, même pour l'époque. Il possédait des terres, il avait des grands-enfants, tous mariés. Juste avant de partir en voyage en Europe avec sa femme, il avait entendu dire qu'un couple de la communauté avait reçu le baptême du Saint-Esprit et il avait clamé « Si ce parler en langue fait son entrée ici, je vais vous en faire sortir tous ces gens. » Au total, 7 familles. Je reçus le baptême du Saint-Esprit pendant son séjour en Europe. À son retour, il demanda à un autre membre de l'église, un ancien méthodiste, « Mais qu'est-il donc arrivé au petit prédicateur pendant mon absence ?» Ce monsieur méthodiste était un géant spirituellement parlant. Il me dit, lui avoir répondu, « Oh, vraiment, quelque chose lui est arrivé. »« Oui, ça c'est certain, » répondit le presbytérien. « Eh bien, il prêche mieux que par le passé. » « Mais je l'ai toujours considéré comme un bon prédicateur, » répondit le méthodiste. « Oui, mais il prêche avec plus de puissance qu'auparavant. Il a une puissance qu'il n'avait pas avant. » J'avais raconté mon expérience à ce monsieur méthodiste, mais je n'en avais rien dit en public, parce que je voulais éviter une division dans l'église. « Eh bien, monsieur, savez-vous ce qui est arrivé à notre petit prédicateur en votre absence ?» Il dit « Non. » Il a été baptisé du Saint-Esprit et il parle en d'autres langues. Le presbytérien baissa la tête et son interlocuteur méthodiste ne savait pas s'il allait annoncer sa décision de quitter l'église ou pas. Nous n'avions jamais perdu un seul membre. Nous n'avons jamais perdu une seule famille. Les paroissiens avaient reconnu la valeur de cette expérience. Le presbytérien déclara « Je l'ai entendu prêcher avant, je l'ai entendu prêcher depuis et je veux la même expérience moi aussi. » 93% des membres de l'Église reçurent comme moi le baptême du Saint-Esprit et les 7% persévérèrent dans l'attente. J'avais certes reçu l'onction pour la prédication, mais cette puissante onction, accompagnée de la nuée de gloire, ne se manifesta plus dans mon ministère au cours des 3 années qui suivirent mon baptême du Saint-Esprit. J'avais rejoint les chrétiens du plein évangile et j'exerçais mon ministère dans une petite église du pays noir, le pays minier, au nord du Texas. Un dimanche soir, tandis que je prêchais sur le thème de la prophétie, le deuxième soir de septembre 1939, l'onction descendit sur moi. Je ne sais pas ce que j'ai dit alors, il me fut impossible de voir un objet ou une personne, c'était comme si une nuée ou un épais brouillard avait envahi l'église. Lorsque je revins à moi, j'étais debout devant, en bas de l'estrade. Je n'avais jamais fait cela auparavant. Comment reconnaître quand l'onction est présente ? Tous les pécheurs présents dans l'église s'avancèrent et se convertirent. Ce fut le réveil ce soir-là. 20 personnes furent baptisées dans le Saint-Esprit. Au cours de cette mémorable réunion, tous ceux qui n'étaient pas baptisés dans le Saint-Esprit le furent. Et tous ceux qui n'étaient pas convertis ou qui étaient rétrogrades se tournèrent vers Dieu. Mais ma prédication n'avait joué aucun rôle dans ce résultat. Seule l'onction avait fait tout le travail. La nuée de gloire se manifeste encore assez souvent dans nos réunions de guérison et dans d'autres services. Des gens l'ont vu venir et remplir la salle. Parfois, lorsque je suis en train de prêcher ou d'enseigner, elle apparaît et soustrait tout le monde à ma vue. La plupart du temps, elle se tient au-dessus de la tête des auditeurs. En de tels moments, les gens reçoivent leur guérison, sans l'intervention d'un quelconque ministère, mais tout simplement grâce à la présence de l'onction. En certaines circonstances, l'onction se manifeste visiblement. Ne pensez-vous pas qu'elle est visible lorsque la maison où les premiers chrétiens étaient réunis en prière et que ça se mit à trembler ? Et lorsque la prison à Philippe fut ébranlée et que toutes les portes s'ouvrirent, cette manifestation se reproduisit en réponse à la prière de Paul et de Silas. Tout comme n'importe quel croyant, j'ai sans cesse en moi l'onction du Saint-Esprit. Mais ce dont nous nous entretenons ici, c'est de l'onction pour la prédication. Je ne prêche plus tellement. J'enseigne la plus grande partie du temps. Mais j'apprécie cette onction pour la prédication. Oui, je l'aime, dit cet homme de Dieu. Elle se différencie de l'onction de l'enseignement. Elle se ressent d'une manière différente. Elle est plus exubérante. C'est le même Saint-Esprit, mais il agit d'une onction différente. Si je pouvais exercer un contrôle sur elle, je le ferais se manifester souvent.
parce que je l'aime bien, dit cet homme de Dieu. La différence entre prêcher et enseigner réside dans le fait que prêcher signifie proclamer, tandis qu'enseigner signifie expliquer. De temps à autre, cette onction pour la prédication descend encore sur moi. Rappelez-vous comment Élie jeta son manteau sur Élisée, voulant lui faire savoir que le Saint-Esprit descendait sur lui de cette manière. De la même façon que le manteau vint couvrir Élisée, il descendit sur moi, car après tout, ces types et ombres de l'Ancien Testament ont trouvé leur accomplissement dans le Nouveau Testament. Voilà mon frère, ma sœur, pour aujourd'hui, ces deux témoignages sur l'onction d'enseigner et l'onction de prêcher. Pour beaucoup, c'est une seule et même chose, et je vous ai prouvé ici que c'est totalement, totalement différent, mon frère, ma sœur. C'est la même chose quand l'onction prophétique descend dans une église, pour ceux qui y croient, bien entendu. C'est totalement différent. Il m'est arrivé à maintes reprises au sein de l'église où mes notes étaient là. J'avais commencé ma prédication, mais quand l'onction est descendue, je parlais directement au cœur des personnes. J'ai vu des frères et des sœurs pleurer durant des prédications. J'ai vu des frères et des sœurs se donner à Dieu. J'ai vu des frères et des sœurs qui n'avaient plus envie de lire la parole de Dieu, avoir de nouveau soif de lire la parole de Dieu. Et ça, je vais te dire, mon frère, ma sœur, ça c'est l'onction qui réside quand on veut enseigner, quand on veut prêcher, mon frère, ma sœur. Combien de fois je prêche et j'ai des paroles de connaissance qui arrivent, des paroles de prophétie qui arrivent, des paroles de discernement aussi, mon frère, ma sœur, qui arrivent. Où tu discernes la vie des personnes et je les relâche. Et bien entendu, ce n'est pas dans un esprit de jugement, mais c'est bien dans un esprit d'amour et de compassion, afin que la personne se convertisse et se donne à Dieu. Combien de fois mon épouse et moi nous encourageons nos frères et nos sœurs, et l'Église a besoin de ça. L'Église universelle a besoin d'hommes et de femmes qui aujourd'hui disent « Seigneur, je veux être sérieux avec toi, parce que toi tu es sérieux avec nous. » Oh mon frère, ma sœur, je prie pour que cette onction d'enseignement et de prédication descende sur ta vie, si tu es appelé à cela. Je prie pour que ça se multiplie. Je prie pour que l'onction réside dans ta vie, mon frère, ma sœur. Qu'elle descende, qu'elle t'enseigne et qu'elle t'apprenne. Oh, mon frère, ma sœur, je prie pour ta vie. Je prie pour que tu sois un instrument puissant entre les mains de ton Dieu. Oui, on a parlé ici de presbytériens, de baptistes, de pentecôtistes. Mon frère, ma sœur, ces choses-là ne sont pas devant Dieu. Dieu n'a aucune religion. Nous avons accepté le Seigneur. Peut-être tu es contre le parler en langue, mais je veux te dire, mon frère, ma sœur, essaye de faire cette expérience-là. Tu te connais. Tu connais comment est ta vie. Et si tu parles en langue, tu ne pourras pas dire que ça vient du diable. Parce que le diable ne peut pas te faire parler en langue. C'est un langage qu'il ne connaît pas, la Bible nous dit. Mais la Bible nous dit que quand tu parles en langue, tu parles à Dieu. Tu dis des mystères, tu dis des choses que l'œil ne peut pas voir et que les oreilles ne peuvent pas entendre. Ne te ferme pas, mon frère, ma sœur. Ne te ferme pas parce que l'esprit n'est pas limité. L'esprit est illimité. Nos prières devaient être, Seigneur, donne-moi encore plus au nom puissant de Jésus. Mon frère, ma sœur, je vous bénis. Je vous bénis et je vous dis à la prochaine. Pour une nouvelle émission puissante au nom de Jésus.